Salut les terriennes, salut les terriens, bienvenue dans votre talk du samedi soir, bonsoir, avec nous ce soir, trois terriens de choix, Véronique Sanson. Véronique Sanson, celle qui jouait du piano assise, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour elle c'est quand même moins fatigant. Autre terrien invité ce soir, un petit gros rigolo qui fait des blagues tout le temps, qui porte sa cravate de travers et qui, c'est évident, n'a aucune compétence particulière pour être président de la République. Non, c'est pas François Hollande, c'est Patrick Timsit. Je suis persuadé que c'était... C'est bizarre. Et Manu Payet. Manu Payet, je suis très heureux de vous recevoir ce soir, ne serait-ce que parce que vous êtes à l'heure. Et je sais que pour un natif de La Réunion, c'est un grand honneur que vous me faites. C'est bon cadeau, Thierry. En P3, après le zapping, nous accueillerons notre terrien du samedi 20h ce soir. Il a été élu meilleur entrepreneur du monde. Il est français. Il s'appelle Moed Altrad. Et il est né en Syrie. Mon café, il est où mon café, putain? Bah ouais, bien, bonsoir. Je suis désolé. Ça va bien? Bonsoir, je vous ai mis deux sucres, comme d'habitude. Comme d'habitude, alors ce stage. Ah écoutez, le stage ça va super bien, parce qu'effectivement je vous explique, je suis le nouveau stagiaire de Salut les Terriens, enfin stagiaire c'est la bidouille qui a trouvé Thierry pour m'embaucher dans cette entreprise dans la conjoncture actuelle. Voilà, alors, merci beaucoup pour l'augmentation Thierry, parce que j'ai été augmenté, réévalué financièrement d'une semaine sur l'autre, ça c'est cool. Hein. Maintenant je suis le repossesseur de tickets resto d'une valeur de 4,90€. C'est pas de la merde, hein, ce qui nous fait toujours 1€ de plus à rajouter pour la formule kebab, frites plus canettes, si cher, à Thierry Ardisson, ici présent. Voilà. Thierry, point évoqué à la suite de la conférence de rédaction, le retour de Stéphane Guillon. Oui. Qui a été très très bien reçu par les téléspectateurs et ça fait plaisir. Beaucoup de lettres d'amour et parmi elles quelques lettres de sympathisants de Marine Le Pen, agrémentées d'une petite balle de revolver à l'intérieur. Merci beaucoup, maintenant on peut ouvrir une armurerie. Alors, on a un très beau plateau Thierry ce soir. Hein. Oh là, très j'adore beau plateau, Patrick. Ce plateau. Ça fait plaisir, en plus vous avez tous les trois un point commun. Vous êtes tous juifs, enfin, sauf Véronique et Manu. Bah, du coup, il n'y a que vous, Patrick, voilà. En tout cas, Véronique Sanson, je suis très fier d'être à vos côtés. Parce que je vous le dis, voilà, dans notre famille, on vous aime beaucoup. Vous savez qu'à cause de vous, mon deuxième prénom, c'est Véronique. Et encore, j'ai eu de la chance parce que ma sœur, son deuxième prénom, c'est Besoin de Personne. Alors. Non, c'est vrai. C'est bien. Non, Véronique, vous avez été mariée avec Pierre Palmade. C'était un très, très beau mariage. C'était pas mon sketch préféré de Pierre. Je préfère le Scrabble ou le Colonel, mais c'était très, très beau. Alors, mesdames et messieurs, maintenant, je suis ici pour vous poser les questions trop cons que Thierry n'a pas voulu vous poser. Bah, oui. Manu, vous avez tourné avec Joey Starr et Fabrice Lucchini. Alors, est-ce que c'est vrai qu'il y en a un, quand tu l'emmerdes, il te met son poing sur la gueule et l'autre, il te parle pendant 3 heures? C'est vrai. Véronique Sanson, votre première partie à l'Olympia, ça va être votre fils, Christopher Steele. Alors, du coup, est-ce que c'est pour lui faire plaisir ou pour éviter de payer une babysitter? Comment ça se passe? Et dernière question. Patrick Timsit, vous dites que vous aimez faire rire avec ce qui fait mal. Du coup, j'attends avec impatience votre sketch sur la sodomie. Bonne soirée. Voilà, merci. Merci beaucoup, bravo. C'était Tom Villa, mon stagiaire. On retrouve ici la semaine prochaine, peut-être. Voilà, l'émission s'appelle Salut les Terriens et le groupe Les Gréements de Fortune. Patrick Timsit, rebonsoir. Bonsoir. Shana Tova.
Ah oui. Bonne année. Merci, merci beaucoup. Même ça, vous ne le respectez pas, regardez. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Chata, ah, tout va. Ouais. Enfin. C'est Shana Tova. Bon, alors là, là, c'est un excès, vous voyez? L'excès, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'il faut qu'on m'interdise de Twitter, de Facebook et tout. Moi, ça. Moi, j'ai pas de tweet, de... sinon ça serait terrible. Ah ben, c'est une catastrophe. Shana Tova et Mazel Tov, parce que vous avez fait un gros carton avec Star 80 dimanche soir dernier sur TF1. Vous allez en avoir un deuxième? Oui, logiquement, oui, oui, absolument. On doit le tourner à partir de février, mars, ah, c'est bon, avril. Oui, oui, ouais. C'est en route. Et le problème, c'est que Julie Pietri a votre numéro maintenant. Alors, Patrick, après le triomphe, la saison dernière, de votre spectacle On ne peut pas rire de tout au Théâtre du Rond-Point, vous revenez au Théâtre de la Gaîté Montparnasse avec le même spectacle. D'habitude, on reçoit les gens une fois pour un spectacle. C'est la deuxième fois que vous venez pour ce spectacle. J'espère que vous avez changé les choses, quoi, parce que c'est quand on change de spectacle qu'on vient à la télé, c'est pas quand on change de salle. Ah, mais fallait me le dire avant, alors. Moi, j'avais pas compris ça du tout. Non, mais ça va, ça va. Vous avez trouvé comment, ce titre? Vous êtes allé voir Julien Courbet sur scène, c'est ça? Non. Je vois même pas pourquoi je ris, parce que c'est très méchant, ça. Ouais. Vous dites ça parce que... Vous avez vu comme j'ai progressé. Ouais. Et quelques jours après le démarrage du spectacle On ne peut pas rire de tout, donc début 2015, vous avez eu un début de réponse, le 7 janvier, avec les attentats de Charlie Hebdo. Mmh. Hein, vous n'avez toujours pas de vanne sur les islamistes. Vous n'avez pas trouvé? La vous... trouille, peut-être. Ouais. Vous craignez la fatwa. Ah. Ah. Ça change la vie, une fatwa. Ah, c'est touchy, une fatwa. Non, non, l'humour sur les islamistes, ils le prennent mal. Un matin, tu te réveilles, t'apprends que t'as une fatwa sur le dos, c'est pas la même journée. Ah non. Non, non, c'est pas la même journée, pas les mêmes rendez-vous, on déjeune pas en terrasse. Vous attendez d'avoir un cancer en phase terminale pour vous attaquer aux djihadistes, en fait? Non, pour attaquer mon médecin, pour le secouer, pour lui dire qu'est-ce qu'il fout, tu vois. Moi, je m'intéresserais à ma gueule. Est-ce que vous auriez le courage de comparer un djihadiste à une crevette? Non, je vois pas pourquoi je ferais ça. Je suis fou, j'adore la vie, je suis heureux. Et tu vois pas que ce sont les crevettes qui se manifestent après? Mais avec le père du trisomique, vous avez trouvé une conciliation, non? Vous lui c'était il y a longtemps. Vous lui avez acheté une poissonnerie? Ouais. Non, non, mais de toute façon, vous avez bien fait de dire trisomique. Moi, je dis plus mongolien. Ah non, 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 non. C'est respectueux. Oui. Il faut savoir qu'il y a un être humain derrière la grimace du clown. Hein. Ça peut blesser. Ça peut blesser. Et avec vos blagues sur Hitler, vous n'avez pas peur de vous couper de votre public nazi? Alors justement, j'ai calculé qu'il valait mieux me fâcher avec un public nazi qui est très vieux, hein, ouais, franchement. Ouais. Que, ouais, je pense que c'était un bon calcul. Il y a un truc dingue, c'est que des homosexuels sont venus vous voir en gueulant, en disant « vous foutez de la gueule de tout le monde, sauf des PD ». Non mais c'est vrai que... C'est vrai. Et alors je vous y mets, Patrick. Oui, j'ai des axes, j'ai des axes. Vous êtes manqué d'Arthur. Arthur ne vous invite plus dans ses émissions. Ouais. Donc, pour vous rappeler les enfants de la télé et les casseroles d'Arthur, j'ai un dit de casserole. Ça s'appelle Relax. Julie, Julie. Qu'est-ce que tu fais là? Julie assise sur le lit. Valérie. Bibiton me dit. Tu traînes ton corps. Bibiton me dit par ici. Bon, Patrick, pour en savoir plus, on va faire une interview garde à vue. Non. Patrick. Prénom. Tim Sit. Déjà, c'est une connerie, ça. Oui, mais ben voilà. Je me suis dit, il va s'en rendre compte ou quoi? Il m'écoute, il est avec moi. Voilà. Dites-moi, Tim Sit. C'est pas très catholique comme nom, ça. Non, 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 c'est vrai, mais moi, je ne suis pas juif. Hein, c'est mes parents qui sont juifs. Moi, j'ai rien à voir avec eux. Hein. Je les trouve radins et tout. Hein, Justement, est-ce qu'on peut rire des juifs, à votre avis? Oui, on peut rire des juifs, mais faut pas. Bon, les handicapés, je vous pose même pas la question. Les handicapés, oui, on peut rire des handicapés, mais ça coûte cher. Ouais. Les nains, c'est moitié prix. On dit pas un nain, en fait. Non, on dit une personne de taille ridicule. S'il vous plaît.
J'ai compris, là, ça y est, je suis devenu politiquement correct. C'est comme on dit pas, tu pues, par exemple. Non, on dit, t'as mangé chinois ? On dit, j'ai une intolérance au gluten. On dit plus, j'ai des gaz. Vous voyez, c'est politiquement correct. Vous avez vous-même une intolérance. Vous essayez de m'embrouiller, Tim. Non, pas du tout. Mais je vous connais. Vous riez des chinois ? Je ne ris pas des chinois, non, parce que moi-même, ayant adopté un petit enfant chinois... Ah, ben ça, c'est bien. Chang, un super mignon, je lui ai donné son premier bain. Je sors du bain, il rétrécit de 20 cm. Made in China, un peu comme les menottes, vous voyez. Ah, et je le sèche, il bouloche. Rire des pauvres, j'espère que vous n'en êtes pas là, Tim Sit. Non, on ne se moque pas des pauvres, non. Ouais. Non. Il y a des différences essentielles entre les riches et les pauvres. Hein. Ouais. Par exemple, quand le riche perd ses cheveux, il se fait faire des implants, le pauvre, lui, il achète une casquette. Vous voyez. Un peu... Ils ont un mégot devant la mort. La mort, c'est bien pour les pauvres. Hein. C'est quand même la seule fois où ils roulent en Mercedes à l'arrière avec un chauffeur. Je sens que je vais avoir des emmerdes avec ce truc. Vous ririez du président de la République, vous ? Attention à ce que vous allez répondre. Non, la question, c'est peut-on ne pas rire du président de la République ? La France est un pays laïque, vous ne pouvez pas rire des religions. Mais vous savez à quoi on reconnaît un pays laïque ? Ouais. C'est quand les jours fériés sont des fêtes catholiques. Bon, allez, Tim, c'est un bon relâche. Allez. Merci, c'est bien gentil. Vous avez du cœur, hein ? C'est pas bon, ça, dans la police. Voilà, c'était la paire de LCFT. On se retrouve sur Terre après la pub. A tout de suite. Rebonsoir les terriens. Rebonsoir les terriens. Nous sommes de retour sur Terre. Toujours en compagnie de Véronique Sanson, de Patrick Timsi et de Manu Payet. Jusqu'ici, tout allait bien. Voici Stéphane Guillon. Dépassée par le flux de migrants, Angela Merkel ferme ses frontières. Bah oui, mais bon, il n'y a plus de place. Fallait être sur le coup. C'est comme pour un concert de U2 au Stade de France. Premier arrivé, premier servi. Bon, il y aura peut-être une vente flash sur Internet, des places en plus. Mais là, soyez prêts à partir, les gars. C'est pas où t'as mis le gilet de sauvetage du petit, je trouve pas le gonfleur pour le canoë. Non, on est sur le coup. Sur les 7 morts de l'avalanche du Dôme des Écrins, 4 étaient de nationalité allemande. Ah, super ! Angela va pouvoir libérer des places. Soyez prêts, les gars. Journalisme, comment parler de l'actualité sans évoquer la terrible une de VSD, DSK, l'exil ? Victime du désamour des Français, l'ex-directeur du FMI serait contraint de se réfugier au Maroc. Excusez-moi Thierry. Ouais, je comprends. T'as tous ces gens sur les routes en ce moment, et on résiste, et puis il y a un moment où... Là, c'est le migrant de trop. Allez, the show must go on. Ouais. International, l'armée égyptienne tue par erreur des touristes mexicains pris pour des djihadistes. François Hollande, très impliqué dans les conflits, a tenu à réagir. Moi, chef de guerre, je sais reconnaître un djihadiste d'un Mexicain. Ne confonds pas un sombrero avec un foulard. Des maracas avec une kalachnikov. Il y a des différences. Allah Akbar, ce n'est pas Mexico. Moi, chef de guerre, je sais reconnaître une corne de gazelle
d'un pépito. Surtout, mon préféré, le pépito double choc, avec son double nappage. Encore une erreur, la police tchèque, partie à la recherche d'un soi-disant migrant vêtu de noir et armé d'une mitraillette, s'est rendu compte qu'elle pourchassait un paisible ramoneur portant sa brosse sur l'épaule. Ah oui, mais faudrait trouver un signe distinctif pour les migrants, qu'on n'appelle pas la police pour rien. Dans la série Les Envahisseurs, on les reconnaissait grâce à leurs petits doigts. Ah, ouais, il faudrait mettre un numéro vert à la disposition du public avec le générique des envahisseurs. Dès qu'on repère un migrant, on appelle. On peut voir ce que ça donnerait ? Oui, bonjour. Je viens d'en repérer un. Habillé en noir, oui. 66 ans, 1m78, légère embonpoint. Bizarre, oui, très bizarre. Un peu malsain, même. Vous intervenez ? Merci beaucoup. Pratique. Politique. Si elle était élue, Marine Le Pen verrait bien Éric Zemmour, ministre de la Culture. Ah bah oui, ce serait chouette. Un homme qui a écrit que Pétain avait sauvé des Juifs, ministre de la Culture. Alors, rien que la journée du patrimoine. Visite de l'hôtel Meurice, le siège de la commandant Tour. Pour la fête de la musique, on avance la date. C'est plus le 21 juin, mais le 14, date de l'occupation allemande à Paris. Pour l'occasion, Jean-Marie Le Pen pourrait chanter « Aïli Aïlo » face à la statue de Jeanne d'Arc. La comédie française est rebaptisée « Comédie française de souche ». La nuit blanche est maintenue, mais elle devient vraiment blanche. Hein. Pas de Syriens, pas de Kosovars, pas d'Afghans. Pour le 14 juillet, Dieudonné se produit sous la tour Eiffel avec son sketch phare. Quand j'entends Patrick Cohen, je me dis « Les chambres à gaz, dommage ». Zemmour à la culture, Marine a vraiment changé. Déclaration de Patrick Devedjian. Les Allemands nous ont pris nos Juifs, ils nous rendent des Arabes. Après Zemmour à la culture, Marine pourrait prendre Devedjian comme porte-parole de son futur gouvernement. Thierry, vous jouez avec nous. Qui a dit c'est très difficile, très éprouvant, nous n'avons pas d'avenir, demain n'existe pas. Un agriculteur breton ruiné par la crise porcine, un Syrien fuyant le régime de Bachar el-Assad et l'État islamique, ou Céline Dion. Céline Dion. Oui, Thierry, oui. Je l'ai lu. Évidemment, on pense à elle. Justice, Guy Bedos, relaxé. Le tribunal a estimé qu'en traitant Madame Morano de conne, l'humoriste était resté dans la loi du genre. Quel dommage que Guy ait fait ses adieux au one-man show. Ouais. On imagine son sketch. Morano, l'avantage maintenant, c'est qu'on peut l'insulter sans que ça nous coûte rien. Alors je me dis, autant se faire plaisir. Y aller à fond, c'est gratuit. Morano, vieille peau, face de cul, gueule de raie, bécasse, bourdasse, enculeuse de mouche, Morano, has-been, maquerelle, manche à couille, pain bêche, parasite, peine à jouir. Et comme dirait mon ami Paul Ford, va chier dans la Meuse, on verra ton cul. Merci, à la semaine prochaine, la vie est une comédie italienne. Ciao. D'ici là, sur canalplus.fr et bien sûr, en tournée dans toute la France. Manu Payet, rebonsoir. Ouais. Alors Manu, vous êtes né le 22 décembre 1975 à Saint-Denis, enfin Saint-Denis sous les cocotiers, oui. Dans oui. L'île de la Réunion. Oui. Alors à 6 ans, première apparition sur Télé-Réunion. Oui. À 20 ans, Sébastien Follin vous fait entrer à Énergie Réunion. Alors l'avantage là-bas, c'est que le 6-9, ça commence à 10h. J'adore parce que ils l'ont un peu pris pour eux, alors ils ne sont pas trop mouillés. Ils allaient faire pain. Non, les gars, ils sont regardés. Alors, c'est là que Énergie Paris vous repère. Et en 2000, vous débarquez
à Paris. Et là, c'est le drame. Vous êtes seul. Vous êtes frigorifié. Oui, je suis arrivé un 15 août. Ah ouais. Ah oui, d'accord. Mais l'an 2000, c'était un été pourri. Et il pleuvait quand vous arrivez à Paris. Hein? Bon, c'était dur, non, sérieux? Oui, c'est dur. Bah, une fois que j'avais eu fait ce que je savais faire, c'est-à-dire animer à peu près correctement une émission de radio, je disais au revoir et personne m'invitait à faire quoi que ce soit. Donc je rentrais dans le mauvais sens du métro. Ça occupait mes soirées parce que elles étaient souvent occupées à ce que je reprenne le métro dans l'autre sens. Ouais. Alors, c'est un gros succès, hein, quand même, sur Énergie. Oui. Ça va durer 6 ans. Ouais. Jusqu'à ce que vous donniez votre démission pour écrire votre one-man show. Alors ensuite, faites 15 films en 5 ans. Ah ouais? Ouais. Ah mon putain. Vous êtes crevé, là. Vous êtes, vous êtes fatigué, pas, là. Vous êtes crevé, là. Ouais, c'est juste crevant. Ça, là, qui m'a crevé, ce que vous venez de dire. Alors, votre nouveau film, donc, le 15e, sort le 30 septembre. Ça s'appelle Un début prometteur. C'est le 2e long-métrage d'Emma Lucchini, d'après le livre de Nicolas Rey. Avec vous, Verl Bettens, qui est extraordinaire. Et il y a Fabrice Lucchini dans le film aussi. Ah bah oui, qui joue mon père. Ça s'est bien passé ? Il y avait sa fille, Stenia Caron. Ouais, ah, c'est pour ça. C'est la première fois qu'il est dirigé par sa fille. Et c'était vraiment très joli parce qu'il pouvait être debout à nous faire un truc, un sketch. Johnny, James Brown, vous, ouais. Tout le monde. Papa, oui, on y va. Ah ouais, d'accord. Tac. Alors le pitch, on pourrait dire itinéraire d'un loser magnifique. Wow. Alors c'est une comédie, c'est même une comédie romantique puisque c'est l'histoire d'un trio amoureux entre vous, votre frère et évidemment Verl Bettens, donc qui vous excite tous les deux finalement. Oui, comme tout le monde. Je crois que le mieux, c'est qu'on regarde à quoi ça ressemble. Je suis amoureux. Tu veux que je te dise ce qui va se passer? Tu vas la revoir, d'accord? Là, tu vas penser que t'es sauvé, tu vas casser les murs tellement t'auras l'impression d'être vivant. Bonjour. Puis les jours vont passer. Et le truc marchera de moins en moins bien. Et toi, tu te sentiras de moins en moins vivant. Mais tu vas voir, c'est vachement bien foutu ce truc parce que tu sauras exactement quand passer à quelqu'un d'autre. Il marche le regard fier, mes hommes, moi devant, yeux derrière, mes hommes. T'as quel âge? 100. Et si ça fait quoi d'avoir 100 ans? Ils me suivent pas à pas, je ne leur échappe pas, mes hommes, tout d'amour et de tendresse, mes hommes, m'ont fait une forteresse. Mes hommes. Tu frimes avec tes 100 ans. Non, vous ne comme les autres pas. En fait. C'est à une y toucher. C'est trop jeune pour moi. Ils sont violents quelquefois, mes hommes, ils se sont. Tout le monde va à Paris, moi je me retrouve seul et ça tout le monde s'en fout. Pas moi qui ai demandé à sortir ce mobile homme. Voilà, un début prometteur d'Emma Lucchini en salle le 30 septembre. Ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment. C'est bien, bravo. Merci, bravo. Ça va bien d'être comme ça. Mais oui, vous êtes parfait dans le rôle de l'écrivain qui abuse de substances et qui boit beaucoup d'alcool. Ça vous va très bien. Est-ce que vous êtes obligé d'apprendre à écrire pour le rôle? Alors, Emma Lucchini a déclaré, en parlant de vous, il a un regard merveilleux, à la fois pétillant et soudain empreint d'une profonde tristesse. D'une tristesse abyssal. Alors on va voir. Quoi que je fasse, où que je sois, rien ne t'efface, je pense à toi. Voilà. Allez, c'est le regard abyssal. Alors, vous avez beaucoup travaillé le personnage, hein. Vous avez pris combien de kilos pour ce film? J'ai arrondi à 10 pour rester noble. Et ça fait combien d'acras de morue par jour? Et tu dis à ta meuf, bah, c'est pour le boulot, je suis désolé, ouais. Mon cœur, mais oui. Merci. L'ours au miel, c'est pour moi. Vous travaillez vachement. Là, vous allez faire la voix de Po, le panda, de Kung Fu Panda. Est-ce que vous êtes déjà mis au pouce de bambou là? Vous
Véronique Sanson, Romansoir. Alors, soyons sérieux 30 secondes. Dans les années 70, Véronique, vous avez été la première à écrire, à composer et à chanter en français des tubes du même niveau que les morceaux anglo-saxons que nous adorions. À une époque où la plupart des chansons qui marchaient en France étaient des adaptations de tubes américains, vous avez marqué l'histoire de la pop music avec ça. Quand je suis moi de lui, quand je suis moi de lui, je n'ai plus vraiment tout ce matin, besoin de personne pour choisir le chemin de ma vie, besoin de personne pour pleurer quand il me renie. Si je sais que tu m'aimes la vie, que tu aimes pour moi, me donne tous les emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres te t'aiment, t'es drôle de poème, et viens avec moi. Passer la soirée. Il y en a plein d'autres, mais bon. Alors, Véronique, votre vie est une légende. Alors, Véronique, d'abord, il y a vos parents, René et Colette, grands résistants, qui ont fondé le fameux réseau du Musée de l'Homme. Oui. Ils sont connus dans la résistance, vos parents. Ah oui. En fait, vous êtes comme le général de Gaulle, vous devez votre carrière à Hitler. Donc déjà, Véronique Sanson, les parents. Maintenant, la musique. Alors, vous commencez dans la musique avec un groupe qui s'appelle Roche Martin. Ah oui. Avec votre sœur Violaine. Violaine. Parce que François Véronique Verlaine. Violaine, les parents, évidemment résistants, voulaient des mots qui commencent en V comme victoire. François Bermain, qui François a beaucoup travaillé ensuite avec Patricia Cass. Mais bon, les Roche Martin, ça marche pas énorme. C'est sûr qu'on a dû en vendre 90, dont 80 achetés par mes parents. Voilà. Et puis là, il y a la rencontre avec Michel Berger, qui deviendra plus tard votre compagnon, évidemment. Alors, au départ, vous le connaissez dans des goûters pour enfants, parce que vos parents étaient amis. Et quand il a 16 ans, il devient votre répétiteur pour le bac philo. Ah oui, 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 complètement. Oui. Alors, Michel Berger, il était directeur artistique chez Pathé Marconi, mais il vous fait signer chez WEA pour une chanson qui s'appelle « Amoureuse ». C'est ça. Qui marche très bien. Ça a marché très bien au Canada d'abord. Oui, ça a été repris d'ailleurs Amoureuse par des tas de gens aux États-Unis. C'est fou, hein. Et là, c'est le drame. Je vous épargne le jingle, mais c'est le drame quand même. Lors d'un musicorama consacré à Crosby, Stills, Nash & Young à l'Olympia,
vous tombez follement amoureuse de Stephen Stills. C'est vrai, enfin, je ne suis pas tombée amoureuse de lui tout de suite. Hein. Non, mais le lendemain matin, quand vous allez chez WEA, vous le croisez. Ouais. Et là, c'est marrant, il ne vous lâche plus, le mec. Hein. Il est sur vous, mais à donf, quoi. Il y est pendant très longtemps. Et un jour, donc, vous décidez d'aller le retrouver, vous n'avez pas d'argent. Et c'est Nicoletta, gloire lui soit rendue ou pas, qui vous prête le pognon pour aller rejoindre Stephen Stills. J'avais pas un rond. Pas un. Et voilà, donc elle m'a dit, mais tu ne peux pas partir sans argent, donc je te paye ton billet et je te donne quelque chose pour vivre. Et voilà. Et tu me le rendras un jour. Et alors là, donc vous partez rejoindre Stephen Stills en disant à ce pauvre Michel Berger que vous allez acheter des cigarettes. Oui. Non, mais tout le monde rigole de ça, mais moi, j'en suis pas très, très fière. Mais rien au monde n'aurait pu m'empêcher de faire ça. Mais si on avait le droit d'avoir deux bons hommes, eh ben, rien ne se serait passé. J'aurais eu les deux, et qui se complétaient très bien. Donc là, vous épousez Stephen Stills en Angleterre. Il faut savoir quand même, au mariage, il y avait les Beatles, les Who. Les Stones. Et alors là, au moment de vous marier... Vous vous rendez compte que vous êtes en train de faire une connerie extraordinaire. Il y a votre sœur qui vous dit, écoute, la fenêtre est ouverte. Il y a ma voiture qui est sous la fenêtre. Si tu veux, on se barre. Et Véronique Sanson a répondu, non, ça serait mal élevé. Mais c'est vrai. Mais c'est dingue. Et je me suis dit, mais attends, il y a déjà mes parents, ses parents, tous ces gens, les groupes connus, là, les Beatles, les Who, et donc je me suis mariée par politesse. Par politesse. Effectivement, c'est une grosse connerie parce que Stephen Stills, qui est un génie de la musique, tout le monde le sait, mais il est un peu accro à la drogue et à l'alcool. Il vous frappe, il est violent avec vous, il ne vous traite pas bien. Non, attendez, pas tout le temps, hein, quand même. Non. Ça dépendait des fois, il faisait du yo-yo un petit peu. Parce que la drogue, c'est quand même quelque chose qui est très, très puissant. Parce que vous, contrairement à ce qu'on croit, vous n'avez pas pris beaucoup de drogue. Non, pas beaucoup. Parce que les pétards, non. Ah non. La cocaïne, ça vous est mal au nez, hein? Non, mais j'aime bien. Bon. L'héros, pas question. L'héros, vous n'avez pas touché. J'ai fait une fois par... Comme tout le monde. Mais je me souviens, j'ai fait exactement comme ça. Poum. Ouais. Et je suis devenue bleue et c'était... Mmh. C'était terrible, donc... Vous avez picolé, certes. Ah oui, mais ça, moi, j'adorais ça. Beaucoup de drogue, contrairement à ce qu'on croit. Je tiens à rétablir la vérité. Alors, non, mais c'est vrai, la drogue... Un jour, quand même, il vous met un coup de couteau dans la main. Puis dans le dos aussi, tu m'as donné un petit coup de boule. 18 points de suture, quand même. Ouais, là. Ça se voit pas, moi. Mais lui, en plus, c'est dégueulasse, parce qu'il avait rien. Ouais. Mais moi, c'était épouvantable parce que c'était éclaté comme ça. Mais éclaté, c'était même pas fendu. C'était éclaté. Un fou. Mais ça, c'est vrai, pas que lui hein, qui était violent. Moi, j'étais violente aussi. Parce que ça prend pas qu'une seule personne. Ouais. Alors, un jour, la police l'interpelle près de chez vous, armé. Il voulait vous tuer, carrément. Hein. Non, mais là, il était venu me tuer. Ouais, il voulait vous tuer. D'ailleurs, vous pensez à un moment engager un tueur à gage pour le retuer. Ah oui. Si je te tue, tu me tues. Moi j'étais convoquée chez le shérif et le shérif me dit, est-ce que vous reconnaissez ça? Comme dans les films avec l'étiquette, le flingue. Et je dis, oui, c'est le pistolet de Steve. Et il dit, ce couteau, vous reconnaissez? Je dis, oui, c'est le couteau de Steven. Et il me montre des gants de chirurgien. Et je dis, vous reconnaissez ça? Je dis, non. C'est-à-dire qu'il avait bien prévu son coup. Pour pas laisser d'empreinte. Pour pas laisser d'empreinte. Ah là là. Flinguer ou... Voilà. Après, je me suis dit, mais c'est épouvantable parce que ça va jamais s'arrêter. Donc, j'ai demandé combien ça coûtait pour faire descendre ce type-là. Voilà. Ça coûte pas si cher, ça coûte 8000 dollars. Hein. Mais en fait, c'est moi qui voulais le tuer moi-même. Ouais. Je voulais le pousser du bateau, je voulais pousser comme on habitait dans les montagnes. C'est l'amour vache. Et aller faire du ski avec lui, le pousser dans un ravin. Si vous n'aviez pas eu peur de la prison, vous l'auriez tué. Ah, mais oui. Voilà. C'est ce qui est dit. Alors voilà. Après, il y a une bataille de chiffonniers pour récupérer la garde de votre fils. C'était un Christopher, ça a été horrible. Ah, oui. Là, vous rentrez en France. Vous avez des aventures pas terribles jusqu'au jour où vous épousez Pierre Palmade. Je te lâche, je te love. Non, il faut une petite. Une brune. Il me faut une petite brune. C'est mieux les petites brunes.
D'ailleurs, je n'aime que les petites brunes. Tiens, celle-là. Hé, hey, toi ? Je te flash, je te love. Je te flash, je te love. C'est ce qu'il vous a dit, je te flash, je te love. Mais c'est une super belle histoire. Ouais. Non, mais c'est vrai, mais tout le monde a pris ce mariage. Tom qui dit, c'est un sketch. Nous, on était très malheureux de ça. Hein. Et dites-moi, Véro, sérieux, là, maintenant, vous avez l'air super en forme. Ouais. L'alcool, c'est réglé, là. Ben, c'est réglé pour aujourd'hui. Ouais, c'est ça. C'est, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est chaque jour, parce que de toute façon, mais c'est chaque on peut pas dire c'est réglé pour toujours, parce qu'il suffit qu'il y ait un verre, et puis voilà. Non, mais c'est faut faire attention. Ça. Quand on est connu comme vous, on peut pas aller aux alcooliques anonymes. Est-ce qu'on va aux alcooliques célèbres ? Bien sûr que oui, mais comme tout le monde. Et ça m'est égal. Ça vous a aidé. Mais bien sûr que ça m'a aidé. Alors, on vient de parler des années américaines, et les années américaines, c'est le titre d'un best-of de 3 CD qui sort le 9 octobre. Le 9 octobre, c'est aussi le jour où vous êtes en concert au Palais des Sports de Paris, et le 10 aussi. Oui. Le Palais des Sports de Paris, vous avez été la première femme à y chanter. Oui, en 78. On passe maintenant à l'actu de la semaine avec des intox. Et c'est le chef d'entreprise d'origine syrienne, Moed Altrad, et le philosophe et écrivain Mezri Haddad, que nous retrouverons sur le plateau après le magnéto. Des intox de ce soir, Bachar el-Assad. Oh, nous cache tout, on nous dit rien. Oh, allez, quoi, il est pas si terrible, ce Bachar el-Assad. Au départ, il n'avait pas du tout la vocation pour être dictateur. C'est son frère aîné, Bassel, qui devait hériter du pouvoir en Syrie. De son côté, Bachar était parti à Londres faire des études d'ophtalmologie. Sauf qu'en 1994, son frère aîné s'encastre à 200 à l'heure dans un camion avec sa Maserati. Résultat, Bachar a dû rentrer en Syrie, et c'est lui qui a hérité du pouvoir. Au début, la France lui déroulait le tapis rouge. Le maître de Damas n'est plus un paria. Le président de la République n'a pas hésité à descendre dans la cour pour le saluer. Il avait même assisté au défilé du 14 juillet dans la tribune présidentielle. Rien d'extraordinaire. Avant Sarkozy, Chirac avait déjà reçu Bachar à l'Élysée. Et en 1984, c'est Mitterrand qui rendait visite à Hafez el-Assad, le père de Bachar. Pourtant, en 82, le régime syrien avait massacré 20 000 personnes pour réprimer une révolte des frères musulmans. Et depuis 83, on le soupçonnait d'être mêlé à l'attentat contre l'immeuble Drakkar à Beyrouth, où 58 soldats français ont été tués. Oui, mais voilà, le principe de la diplomatie, c'est de parler à ses ennemis. Notre devoir est de rechercher comment contribuer à l'équilibre mondial. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la morale a pris la place de la diplomatie. Vu que Bachar est un méchant dictateur, non seulement Fabius refuse de lui parler, mais en plus, il voudrait l'expulser de la planète. Monsieur Bachar el-Assad ne mériterait pas d'être sur la Terre. C'est curieux, cette obstination à vouloir chasser les dictateurs du pouvoir. Quand on voit ce qui s'est passé en Irak depuis la chute de Saddam Hussein, et ce qu'est devenu la Libye depuis la chute de Kadhafi, est-ce qu'on est vraiment sûr que c'est une bonne idée de chasser Bachar du pouvoir en Syrie ? D'abord, ce ne sera pas si facile, car Bachar peut compter sur deux alliés puissants, la Russie et l'Iran. Mais surtout, la chute de Bachar favoriserait le triomphe de notre principal ennemi. Notre ennemi à nous, c'est Daesh. Lors de la Seconde Guerre mondiale, les Occidentaux se sont alliés avec la dictature de Staline pour vaincre les nazis. Nous n'avons pas l'outrecuidance, dit encore le général de Gaulle, de croire que nous pourrions assurer isolément la sécurité de l'Europe. Alors pour vaincre les islamo-fascistes, comme les appelle Valls, est-ce qu'il ne faudrait pas s'allier un temps avec Bachar ? On nous cache tout, on nous dit rien. Voilà, c'était Désintox, signé Blacko, mise en image de Julien Grappe. Alors, Moed Altrad, bonsoir. Vous êtes chef d'entreprise, élu meilleur entrepreneur du monde, et vous êtes né en Syrie. Bienvenue parmi nous. Merci. Mezri Haddad, bonsoir. Vous êtes philosophe, écrivain, ancien ambassadeur de Tunisie à l'UNESCO. Bienvenue parmi nous. Bonsoir. Alors, c'est décidé. Des avions français vont aller bombarder l'État islamique en Syrie. Enfin, au départ, c'est juste quand même pour écouter les téléphones et prendre des photos. Mais bon.
La France se retrouve donc alliée objectif de celui qu'elle voulait détrôner, Bachar el-Assad. Contre Daesh, on a besoin de lui. Alors, ce qu'il faut dire d'abord, c'est que, bien sûr, Bachar reste un dictateur sanguinaire. De août 2014 à août 2015, 80% des victimes en Syrie sont dues à Bachar, 10% à Daesh. Les armées de Bachar el-Assad pratiquent des viols. Bachar utilise des armes chimiques et il est accusé de crimes de guerre. Donc il n'est pas question, évidemment, d'oublier ça. Alors bien sûr, Bachar n'est pas non plus une solution à long terme pour la Syrie, puisqu'il appartient à la minorité alaouite, qui est chiite, alors que la majorité du pays est sunnite. Mais ceci étant, contre Hitler, les démocraties se sont alliées avec Staline. La réelle politique doit prendre le pas sur la morale à un moment. Contre Daesh, on a besoin des Russes. Et les Russes, c'est Bachar. Ce qui justifie, quelle que soit la nature terrible du personnage de Bachar el-Assad, ce qui signifie qu'on doit en faire un allié, au moins le temps de détruire Daesh, non ? Les Russes, c'est absolument essentiel pour eux. Ils ne vont pas lâcher la Syrie. Il y a deux ports. Il y a Latakia et Tartous. Et c'est le seul deux ports qui permettent à la Russie d'atteindre la Méditerranée. Sinon, donc c'est stratégiquement absolument vital pour la Russie. On a beaucoup dit sur Bachar el-Assad le sanguinaire. Bachar el-Assad qui a utilisé des armes chimiques. On joue justement sur la morale pour accabler un adversaire qu'on a désigné comme adversaire et on a, par oukase, décrété qu'il doit disparaître dès 2011. Aurait-il dû s'éclipser, laisser tomber son pays et le laisser aux frères musulmans, n'est-ce pas? Parce que c'était ça. Au départ, il faut savoir que, comme en Irak, avec Saddam Hussein, le père de Bachar el-Assad, Hafez el-Assad, c'est un parti bassiste. Oui. C'est des gens qui sont des laïcs. Donc au départ, il y a une opposition entre Bachar el-Assad et les frères musulmans. C'est ça l'histoire. Mais tout à fait, ça a été une opposition et un antagonisme radical dès la naissance des frères musulmans. Dès leur naissance, ils ont eu comme rempart le nationalisme arabe. Le BAF est une variété du nationalisme arabe. Bachar el-Assad n'est pas un enfant de cœur. Mais bien sûr. Vous le reconnaissez. Absolument, absolument. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui la France, les Européens, les Occidentaux, peut-être doivent s'associer à Bachar el-Assad pour détruire Daesh? Et vous, Moed, vous dites, finalement, non seulement il faudra s'associer avec Bachar el-Assad, mais aussi avec Al-Nusra, avec Al-Qaïda, si on veut détruire Daesh. Si vous voulez, vous avez Assad, il contrôle quelque chose comme 20% de territoire syrien. Peut-être quelques millions d'habitants. Mais l'intégralité de la population, l'essentiel des territoires, c'est dans les mains d'Al-Nusra, d'Al-Qaïda, de l'armée libre, et j'en passe, de l'État islamique. Oui. Donc, je dis, il y a un problème qui n'est pas simple. Il ne faut pas croire que la solution est simple. Oui. Mais on sait comment le faire. Parce que, Mezri, imaginons, une fois qu'on vire Bachar el-Assad de Damas, quel est le droit qui octroie ou s'auto-octroie certains chefs d'État ou politiques ou autres ou analystes, Bachar doit partir. Mais au nom de... Je trouve ce propos, ça va peut-être... Colonialiste. Intrinsèquement colonialiste, oui. Voyez-vous ? Les Européens sont tellement ethnocentrés qu'ils veulent imposer aux autres pays leur système de gouvernement. Ça a commencé avec la colonisation, ça a continué avec Bernard-Henri Lévy en Libye. Vous avez eu l'obligeance et l'amabilité, ça m'avait beaucoup plu à l'époque. C'était en 2012. Je dois reconnaître que vous avez été lucide. Enfin, votre émission a été lucide dès le printemps arabe. Vous avez commencé en disant un monsieur qui s'appelle Mezri Haddad a dit « Allah est grand et BHL est sans prophète ». Oui, je l'avais dit. Je l'avais dit et je le redis aujourd'hui. La grandeur d'un État, et là je parle de l'État français, c'est de revoir sa politique lorsque celle-ci a été une ineptie, n'est-ce pas? Parce que traînée par certains Qataris, n'est-ce pas,
la démocratie qatari, hein, la démocratie qatari. La grande démocratie. La grande qatari. Démocratie qui respecte les droits de l'homme, n'est-ce pas? Cette démocratie-là avait convaincu le chef de l'État, Monsieur Sarkozy, que ça va être une question réglée en quelques mois. Eh bien, ça n'a pas été réglé au grand désespoir. Mais ça, c'est accablant, vraiment, pour ceux qui ont pris la décision d'y aller, croyant pouvoir régler cette histoire en 6 mois. Finalement, on se rend compte, hein, et on le dit souvent ici, c'est vrai, que dans tous les pays où l'Occident a décidé de son propre chef, oui, de supprimer des dictateurs laïcs, on s'est retrouvé avec des dictateurs théocratiques. Oui. Le moins qu'on puisse demander à l'État français aujourd'hui, c'est de se dissocier des islamo-fascistes. Voyez-vous ? D'accord. Parce que là, ça a été une faute grave. Pas en termes moraux, mais en termes géopolitiques. Moi, je dis qu'il y a une priorité absolue. Absolue. Parce qu'on ne peut pas... En termes tactiques et stratégiques, il faut hiérarchiser les choses. La priorité absolue, c'est l'éradication totale et impitoyable des islamo-fascistes sous le contrôle des Nations Unies. Patrick. Ce que je voudrais juste rajouter, ce qui était très très important, c'est ce qui a été vraiment évoqué, c'est ce mépris, moi je dirais, ce mépris des Occidentaux, de nos politiques. Un monsieur François Hollande qui se permet de dire on va punir, vous vous rendez compte, le mot on va punir, comme un instituteur, il l'appelle Bachar par son prénom. Oui. On va punir Bachar, il y a un nom, donc comment s'exprimer comme ça? C'est nous qui avons créé ça. C'est cette ingérence dans ces pays qu'on reçoit en pleine face. Voilà, ça sera le mot de la fin. Patrick, je vous laisse filer. Oui, vous êtes sur scène. Nesri, merci d'avoir été avec nous. Salut mon Patrick, à très vite. Vous, Moed, vous restez là. On va raconter votre vie dans la troisième partie de l'émission. Et ça vaut vraiment le coup, je vous garantis. Voilà, c'était la P2DSLT. On se retrouve après la pub avec le zapping et notre terrien du samedi 20h. Ce soir, moi, Altran. À tout de suite. Bonsoir les terriens. Bonsoir les terriens. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie de Véronique Sanson, de Moed Altran et de Manu Payet. Alors Moed, vous êtes né en Syrie, dans une tribu de Bédouins, au fin fond du désert, 65 ans plus tard. Vous êtes devenu milliardaire. Et vous êtes le premier Français à avoir reçu le prix de meilleur entrepreneur du monde. Vous nous raconterez votre histoire après le zapping. C'était le zapping et on passe maintenant à notre terrien du samedi 20h. Alors, Moed Altran, rebonsoir. Vous tenez, mais on ne sait pas quand. Et pour pouvoir vous souhaiter bon anniversaire, vos enfants ont décidé que vous étiez né le 9 mars 1951. Il y a eu un tirage au sort. Ouais. Donc, il se tombait sur le 9 mars. Vous ne savez pas non plus où vous êtes né, donc quelque part dans les plaines désertiques de Syrie, dans la région de Raqqa, qui est aujourd'hui une ville importante. Absolument. De l'État islamique. Oui, tout à fait. Alors, votre père, donc, chef d'une tribu bédouine, plus ou moins sédentarisée, il est le seul à avoir une maison en briques, le seul à posséder un camion. Il faut savoir que dans la vie tribale, qui était une vie primitive, le chef de la tribu, il a tous les droits. Il a tous les droits. Ouais. Votre mère, violée par cet homme à l'âge de 12 ans, 9 mois plus tard, votre frère naît, votre frère qui mourra d'ailleurs sous les coups de votre père. Et le deuxième viol de votre mère, bah, c'est vous qui naissez. Alors, votre mère donc accouche seule, elle est obligée de couper le cordon ombilical avec les dents. Elle a fait ce qu'elle a pu. Voilà.
Vous êtes élevé par votre grand-mère maternelle pour être berger, comme tous les hommes de votre tribu, en fait. C'était votre destin. Votre seule porte de sortie à l'époque, c'est l'école. Et malgré l'hostilité de votre grand-mère et la proximité de l'habitation de votre père, vous finirez par y aller à l'école, hein. Mais c'était un pari insensé, parce que c'était un pari perdu d'avance. Oui, c'est fou, bien sûr. Alors, quand vous allez à l'école, les autres enfants se moquent de vous, parce que vous êtes en djellaba. Djellaba, sans chaussures. Et vous avez vos crayons qui sont emballés dans des linges. Oui. Alors, heureusement, le maître d'école vous rassure, et un jour, vous finissez par obtenir la meilleure note à un devoir. Et le maître vous dit, tu travailles bien, Moed, je suis fier de toi. Et là, les autres élèves sont tellement jaloux qu'ils vous enterrent dans le sable. Alors, c'est comme un drôle de pays, excusez-moi. Nous, on ne fait pas ça quand même. Hein. Effectivement, c'est très, très exactement passé. C'est passé ouais. Comme ça. Et quand vous sortez du sable, avec encore du sable dans la bouche, vous faites un serment à vous-même et vous vous dites, désormais, je serai le meilleur. J'ai dit ça. Alors, au début, faute d'argent, vous êtes obligé de recopier des livres. Mais un jour, votre père, on ne sait pas pourquoi, vous amène à Raqqa, donc qui est la grande ville, et vous achète un vélo rouge. C'est la seule unique chose qu'il a faite dans sa vie. C'est le vélo rouge. Ouais, mais vous, comme vous êtes super intelligent, vous louez le vélo rouge à vos camarades. Premier business, première affaire. Premier business, vous louez le vélo rouge, et grâce à l'argent que ça vous rapporte, vous pouvez vous acheter des livres et des crayons. Vous êtes alors le meilleur élève de la classe. Là, vous devez aller à l'école dans un autre village, évidemment, parce que le village où vous êtes né est très petit. Et ce qui est incroyable, c'est que quand vous arrivez dans cet autre village, vous découvrez les magasins. Parce que pour vous, en fait, vous connaissiez les colporteurs. Les souks improvisés. Voilà. Où vous achetez tout, des légumes, vous vendez des moutons, etc. Et là, il y a des magasins. Donc, et bien alors, vous découvrez aussi les puits. Ouais. Parce que vous alliez chercher l'eau à la rivière, ouais. À pied ou avec des ânes. Et là, vous découvrez qu'avec un système de poulies, on peut monter l'eau des puits. Alors voilà, vous êtes fasciné. Non, mais c'est pour expliquer d'où il vient quand même. Alors, après le brevet, vous allez au lycée à Raqqa. Et là, vous subissez aussi la loi des riches, c'est-à-dire l'ostracisme social, oui. Qu'on connaît ici aussi, je peux vous le dire. Vous savez, le bédouin en Syrie, c'est l'arabe de l'arabe, quoi. Ouais. Vu par, ouais. Par un occidental, ouais. J'étais celui-là. Quoi. Mais après 10 ans de travail acharné, vous obtenez le bac, ouais. Avec une très bonne note, ce qui fait que vous êtes avec les lauréats, voilà. Qui sont invités à Damas, donc la capitale de la Syrie. Les lauréats sont reçus par le ministre. Vous êtes toujours en djellaba au milieu des autres. Oui, hein. Oui. C'est ça qui est extraordinaire. Ouais. Alors là, vous avez le choix entre médecine au Caire, en Égypte, ou la physique-chimie en France. Voilà. Et vous choisissez la France. Oui, absolument. Alors vous débarquez à Montpellier. J'y étais, moi, à Montpellier, en 1969, c'est dingue. C'est vrai, je faisais mes études, c'est fou. Je ne vous ai pas vu. Mais non, vous débarquez à Montpellier en 1969, alors vous avez une chambre à la cité universitaire avec une salle de bain. Alors, la salle de bain, évidemment, pour vous, c'est le luxe absolu. Absolument. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que vous faites couler l'eau du robinet et vous regardez l'eau couler. Prendre sa douche... voilà, et entendre l'eau de la source. C'est fascinant. Produit. Alors à l'époque, ce qu'il faut dire quand même, vous avez une bourse, mais la bourse est de 30 euros par mois. Il fallait se débrouiller avec ça. Ouais. Manger, acheter des livres, payer le loyer, ouais. Etc., etc. Le plus dur à l'époque, en fait, c'est que les gens vous prennent pour un Algérien. Ouais. Et vous êtes victime du sentiment... anti-algérien, donc des Français. Il y avait quelques millions de pieds noirs. Hein, ah oui, et je tombais dans la mauvaise période. Malgré tout ce que vous supportez, effectivement, oui. Vous restez en France, vous vous adaptez à la France, vous apprenez à aimer votre pays d'accueil. Voilà, vous apprenez le français. La première phrase que vous apprenez en français, un repas sans fromage n'est pas un repas français. J'ai jamais aimé le fromage. Donc, ah bon je déteste le fromage. Et ça marche. Et ça marche incroyablement bien.
Vous êtes génial. Diplôme d'ingénieur, doctorat en informatique. Vous êtes embauché chez Thomson, ensuite chez Alcatel. Et en 1980, dans le journal Le Monde, vous découvrez une offre d'emploi. Abu Dhabi recrute des ingénieurs arabes pour créer la première compagnie pétrolière du pays. Et là, vous signez. Vous allez là-bas, comme vous avez, vous êtes nourri, il y a une voiture de fonction, vous ne dépensez pas beaucoup d'argent. Vous revenez avec 600 000 euros d'économie, c'est bien. À votre retour en 1984, vous montez une société d'informatique pour créer un ordinateur portable. Le problème, c'est que l'ordinateur portable, il rentrait dans une valise DLC. Effectivement, notre truc marchait, la valise se fermait, sauf qu'il pesait 30 kilos. Et voilà. Alors, vous vendez quand même votre boîte à Matra, ce qui est pas mal, finalement. Et c'est là que vous entendez parler d'un fabricant d'échafaudage en faillite. Vous investissez tout ce que vous avez, mais c'est la première fois que vous entendez le mot échafaudage. C'est la première fois. Vous ne savez même pas ce que ça veut dire. Non, non, je ne savais pas ce que c'était. Et là, vous devenez leader mondial. C'est juste génial. Le mec, c'est génial. Dans le matériel BTP, avec 170 filiales, 17 sites industriels dans 12 pays et plus d'un million de clients. Ça ne s'est pas fait en un jour. Je suis d'accord. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'ici, sur ce plateau, si ça tient tout ça debout, oui, c'est grâce à Altrad. C'est un bon client. C'est génial. Alors, en juin dernier, vous êtes élu meilleur entrepreneur du monde pour l'année 2015 et vous êtes le premier Français à recevoir cette distinction. Le magazine Forbes, grand magazine international sur le business et la finance, a titré « De bédouin à milliardaire ». À part ça, vous écrivez. Oui, oui. Vous avez déjà publié 3 romans dans une très bonne maison d'édition qui est Actes Sud. Vous avez racheté le club de rugby de Montpellier, qui est quand même deuxième au top 14. Absolument. Alors voilà, vous dites « J'ai l'impression d'avoir vécu 3000 ans ». Ben oui, mais regardez les conditions de départ. Oui, ça c'est sûr. Vous êtes génial. C'était Salut les Terriens, votre talk du samedi avec Véronique Sanson, Patrick Pincit, Manu Payet, Mesri Haddad, Moed Altrad. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Salut les Terriens. Pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.